Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une belle journée. En tout cas, dans le Var, pour le moment, on a du soleil. Ils annoncent la pluie et la grisaille demain et après-demain, donc on va profiter du soleil. Et moi, je profite des quelques instants que j'ai avant de commencer ma journée de travail. Et je vous propose tout simplement une petite tendance du jour. On va voir ce qu'on nous donne, on va voir ce qui saute. Et en fonction, eh bien, on prendra, on en fera une petite. Ah ben, il y en a deux. Il y en a deux pour ce matin. Il y a les trésors cachés dans l'ombre et l'ange déchu avec la perte de conscience. Donc, on vous dit aujourd'hui, soyez vigilants, soyez dans la conscience. Dans la pleine conscience, j'ai envie de dire, profitez de la vie, profitez du moment présent, soyez remplis de gratitude hein, pour tout ce que vous avez déjà. Focalisez-vous sur le positif et non sur le négatif. Quand on dit perte de conscience, c'est quand on est eh bien, dans la peur, dans l'angoisse, dans la dépression peut-être. Alors c'est vrai que bon, actuellement, on ne peut pas dire que le monde est vraiment très joyeux et qu'on nous annonce des belles choses à venir. Mais rester dans le moment présent, on ne sait pas le futur, il peut se retourner à tout moment, ça peut changer à tout moment, vous le voyez bien, ça va très très vite. Donc faites confiance à vos guides, à vos anges gardiens peut-être, profitez de la vie tout simplement. Et les trésors cachés dans l'ombre, ce sont effectivement toutes les blessures que vous pouvez avoir de votre passé, qu'il faut mettre derrière vous, fermer définitivement cette porte. Le passé, c'est pareil, c'est trop tard, c'est fait, et ça sert à rien de le ramener dans le présent, tout comme le futur. Si vous vous mettez sur le futur, ben forcément vous faites des suppositions qui ne sont pas toujours les bonnes et parfois négatives. Et si vous vous mettez dans le passé, en règle générale, vous vous rappelez plus souvent les mauvais moments que les bons, alors qu'en règle générale, il y en a plus de bons que de mauvais. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Focalisez vraiment votre journée sur le positif. Soyez joyeux. Regardez un peu le soleil, profitez de la vie, et puis ce qui se passera demain, ça sera demain. Donc je vous souhaite à tous de passer vraiment des moments agréables aujourd'hui, et je vous dis à demain.